Salut mon ami et bienvenue dans la 11e vidéo de vlog. Il fait chaud, je crois que c'est la journée la plus chaude depuis qu'on est en Thaïlande. C'est une chaleur horrible. Et il est midi 40. Ce matin on est allé faire un peu de shopping, ramener quelques souvenirs et tout. Et cet après-midi, du coup là on va partir prendre un petit déj, même s'il est midi c'est pas grave. Et je vais partir faire de la plongée à France Plongée Copenhague. Donc je te mettrai le lien en description. Donc voilà, baptême de plongée, ça va durer environ 3 heures et ça va se faire dans la baie d'Ad Salad. À toute. Il fait 40 degrés. C'est affreux, il fait trop chaud. Bon, c'est parti pour prendre le fameux petit déjeuner et ensuite go taxi, go plonger dans la baie d'Ad Salad pour 2000 bahts. Je suis pas bien là, j'ai large trop chaud. On a fini de travailler, donc c'est l'heure de réserver un putain de taxi pour aller à la plongée. Et j'ai pu refiler mes pièces et c'est Magma qui les a reprises. Donc voilà, de porte-monnaie à porte-monnaie. Allez, à tout. Le taxi commandé, je paye un bras, je te jure, 300 bahts. Je suis deck, ça fait cher. Ça fait 6 euros pour le taxi, je suis un peu deg. Il arrive dans 15 minutes. Je te retrouve dans le taxi. À tout. Dans le taxi, direction Ad Salad, France Plongée. Il est 19h27, je viens de rentrer de la plongée il y a à peu près 20 minutes. Ouais, 20 minutes. J'ai pas pu te filmer rien du tout parce que le matériel s'y prêtait pas. Mais c'était génial. Je me suis un peu pigné le bras contre des coraux. Là aussi, et la jambe. Donc c'était vraiment une expérience géniale. Je te mettrai le lien dans la description. J'ai payé que 48 euros. On a fait quand même 50 minutes de plongée. Et on ne le savait pas, mais elles ont une montre qui te montre la profondeur. Et on est allé à 10 mètres de profondeur. Normalement, un baptême, c'est entre 3 et 5. Et on est quand même allé à 10. Bon, j'étais toujours en train de dépressuriser. Et c'était vraiment sympa. J'ai vraiment aimé. Donc je pense que je referai ça. Et donc voilà, encore une fois, comme j'ai pas pu filmer, la vidéo va être assez courte. Ce soir, je pense qu'on va manger tranquille, se caler. Et puis demain, on prend le ferry pour revenir sur Bangkok. Et c'est à peu près tout. Bon, ce soir, je vais prendre quand même la caméra pour que ça, on n'en reste pas là sur le vlog, puisque le vlog d'hier faisait à peine 3 minutes 50, même pas. Voilà, je te dis à toute. Bon, du coup, on est à la pizzeria. Parce qu'on avait envie de pizza ou de pâtes. Et c'est tenu par un Italien. On a galéré à peu près une heure et demie à réserver le ferry et à réserver le billet d'avion. Et on n'a toujours pas trouvé l'hôtel. C'est assez pénible. Mais on s'est dit, on va manger, on trouvera après. Parce que ça prend vraiment la tête. Et pour te dire, ça me fait vraiment mal à la tête, ces conneries.
et j'ai faim de ouf. Et une pizza, ça prend du temps à se faire. Et j'ai vraiment faim. Donc voilà, je te dis à toutes. Voici la petite pizza et pâte à la. Au 4 fromages. Au 4 fromages. Ça a l'air super bon. Je te dis bon appétit. C'était super bon. Donc Maeva, ici présentement présente, a fini son assiette en à peu près 3 minutes 26 secondes. Moi j'ai pris un peu plus de temps, mais il n'y a plus rien. C'était vraiment bon. Donc ça s'appelle Pempizza. Pempizza Ristorante. Et voilà, le mec est vraiment italien, il a l'accent italien. Et si tu viens à Copenhague un jour, n'hésite pas, ça fait pas de mine, vraiment pas de mine, c'est vraiment bon. Et on désespérait de trouver un truc bon, mais au final, tranquillement. Tranquillement, et on regrette pas le choix. Parce que Much Booms, bon, au bout d'un moment, c'est gentil, mais ça va. Et puis Coco Garden, là où on prend les breakfasts, c'est bon, mais pour les breakfasts. Franchement, après, le reste. Allez! Du coup, on en finit avec l'hôtel. Allez, bien manger, on rentre, on va régler l'histoire de l'hôtel. Et après au lit, parce qu'elle me réveille 8h30. Ferry à 12h30. Avion à 20h30. Arrivée 22h, je ne sais pas combien. Et hôtel, le temps de prendre le taxi et tout, on sera à l'hôtel à 1 minute.